Donc là, je suis chez Primark. Je vais vous montrer les vêtements pour cet été. Donc là, vous avez des petits hauts pour 5 euros. Ça aussi, 5 euros. €7. 9 euros. Jaune fluo. 5 euros aussi. 5 euros. 16 euros. 13 euros. 13 euros aussi. 15 euros. Petite veste là. 13 euros. 15 euros. Par contre, c'est en rouge, hein, c'est pas orange. 15 euros. 13 euros. Chemise. Ça aussi, c'est 13 euros. 14 euros. 12 euros. 16 euros. 10 euros. 16 euros. 16 euros. La petite veste 30 euros avec des franges de cowboy. 14 euros. Petite robe. Là, si tu veux, tu peux la trop belle la veste. 30 euros. Non, il y a deux hommes, mais il y a un seul. Donc déjà, tu connais la vitrine? Ah ouais, j'ai été là. Ouais. Après, bien. Tu peux juste ouvrir et prendre. Ça c'est 19 euros. C'est pour la pluie ça. C'est un parka. Il y a des sacs pour 10 euros. Et du Barbie carrément. 14 euros. 8 euros, portefeuille, 12 euros, 14 euros ce sac, 17 euros, par contre c'est un vert qui flash, hein. Vert fluo, 5 euros, t'as deux pochettes, donc là t'as du make-up, c'est bien ta déguisement de Toy Story. Woody. Woody. La première. 20 euros, ça va. Hein? Ça, on l'avait pour Gabi quand il était petit. T'as du Marvel et tout, les chaussettes, 9 euros les 3 paires, t'as le t-shirt pour 8 euros, le petit peach, t'as plein de trucs, sur un 10 euros les t-shirts. Je n'ai rien à voir.
Ça aussi, c'est 20 euros, quoi. Je pense que oui. €17. Vous avez même le cerceau. Et les chaussures qui va avec. €8. Petit lapin. C'est à combien? €12. €12. La reine des neiges. Je compte les sandales là. Il a mis un objet trouvé du coup. 6€. C'est pour l'été ça. T'as des lunettes pour €3. La casquette coûte €5. I love Stitch. Mignon, €8. Je me disais, €4, c'est pas cher. Trop mignon le maillot de bain, €7. C'est bien fait, hein? La casquette, elle a combien? €5. Vous avez du parfum pour €10, franchement, ça sent très très bon. Hein? Et même du make-up, €10. J'appuie pas vraiment. J'appuie un tout petit peu. Il y a des brumes, €4,50. Ça brille pour le corps. €8. Oh, c'est trop mignon, €8. Ça, c'est des pyjamas, ouais. Le haut et le bas pour €8. T'as deux pitchs pour €8. Alors pourquoi je suis venue chez Primark? Car je dois acheter des pantalons pour Clara. Ce matin encore, ses jeans c'était bien court. Donc comme la dernière fois, on va essayer de prendre des petits produits pas chers chez Primark pour un ou deux mois. Ça c'est €12, c'est le haut. Et le bas, la petite jupe. Regardez-moi le maillot de bain, pas trop mignon. Ça combien? €7. €5 les casquettes. C'est trop mignon, regardez-moi ça. Ça combien? €6. Là, vous avez les pitchs. Voilà. Voilà, €11. Ça, c'est les bavoirs. €6 les trois. €8. L'ensemble avec le short. Bonne qualité, par contre. Là, tu as les shorts de bain. 0,3 mois, €8. 0,3 mois. On va pas mettre un petit de 0 mois à la piscine, oui. Tu as ça pour €9. Et en dessous, tu as la lumière. Tu as le bouton. C'est beau, hein? La veste, elle a 20€, elle est trop mignonne. T'as du Mickey brodé en fait sur la veste. Ça, il a combien? €9. T'as la salopette pour €15. Salopette short. €3 le lot de 3 boucles d'oreilles en anneau. €3. Ils sont à €13 les pidge. T'as Winnie. €3,50. Là, t'as les peach pour €13. €7.
c'était des pyjamas pour 10 euros. Hop, hop. 10 euros. Ouais, pratiquement tout est à 10 euros quoi. Enfin, 10 euros, mais bon. Fini l'hiver. T'as du Harry Potter et tout. 6 euros. T'as ça pour 3 euros. La bretelle, mais c'est quoi? Hop, hop. Bon, ça c'est des shorts. D'accord. Oui, en fait, t'as le haut et le bas. Ça dépend. Si tu veux court ou long, ça aussi c'est 3 euros. J'aime bien. J'ai des boîtes de rangement. Donc ça c'est pour palette. 6 euros. 3 euros pour les rouges à lèvres. Il n'y a pas grand chose. Sinon tu as les grandes boîtes. On a pour 12 euros. Et tu peux faire ça. En fait, tu achètes ça, tu le mets dessus. 10 euros. Ouais. 4 euros. C'est bien ça. Cinq euros les serre-têtes. 3 euros les petits. Ça c'est bien quand tu fais un chignon, tu le mets autour. 120 euros les rajouts. 28 euros. Là t'as des petites soldes à 1,50€. Cette paire de chaussettes pour 3 euros. 3 euros aussi. Là, t'en as 3 par contre. Moi, j'aime bien prendre ces sockets. Vous avez les maillots de bain, une pièce, 14 euros. Le petit détail sur le côté. T'as les bikinis. Par exemple, les bikinis sont à... Oui, je disais le haut et il est à 5 euros et le bas à 3 euros. Purée, j'ai plus de batterie les filles. Désolée. Re les filles, j'espère que vous allez bien. Donc là, je suis rentrée des courses. Ce matin, je suis partie chez Primark acheter 2-3 bricoles pour Clara. Donc je vous ferai le haul Primark juste après. Sinon, juste après, je suis partie chez Cora. Pourquoi? Parce que... Je vous explique, j'ai mon mari qui m'a acheté le Cookeo en ce moment sur ses discounts. Il est à 138 euros. Donc, je l'ai reçu et il voulait absolument que je lui fasse le couscous. Déjà, ça fait des années qu'il me demande du couscous. Et moi, je suis, comment vous dire, j'ai jamais fait de couscous de ma vie et j'en ai jamais mangé. Et ça m'attire pas vraiment le couscous. Donc là, je me suis dit, bon, quand j'étais à Cora, allez, on va prendre les produits parce que j'ai envie de tester. Donc normalement, moi j'achète tout ce qui est volaille et tout chez mon boucher. Mais là, vu que c'est la période du ramadan, Cora aime bien mettre les produits halal en vente. Donc je souhaite un très bon mois de ramadan 2019. Donc j'espère que notre jeûne sera accepté par Allah et que ça va aller. Et je souhaite à tout le monde, musulman ou pas musulman, franchement. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas musulmanes qui font le jeûne aussi. Donc déjà, bravo à vous. Et les personnes qui ne le font pas car ils sont malades et tout, il ne faut pas les juger. Donc bon courage à vous et je vous fais des gros gros bisous. Je vous montre, j'ai pris du poulet. Donc il fallait des cuisses de poulet.
Donc le blanc de poulet, ça sera pour la semaine. J'ai pris des merguez, j'ai pris du couscous, donc j'ai pris fin. Il y avait moyen, donc je ne savais pas si c'était moyen ou fin, mais c'est pas grave. J'ai pris 5 kilos, il était à 7 euros. Ensuite, j'ai trouvé ça pour 1 euro. C'est des élastiques pour refermer les petites boîtes là. Après, j'ai trouvé ça et c'est made in Turkish. Donc, t'en as fait un, l'autre est à moins 50%. Ensuite, j'ai pris du café, j'ai pris des bananes. Ensuite, attends, je te montre. J'ai pris ça, il était à 2 euros. C'est 5 pièces microfibre. Voilà, voilà, j'ai pris ça à 1 euro, c'est pour arroser mes cactus. Après, tu avais de la sauce, j'ai pris andalouse et sauce blanche. Par contre, en légumes, Acora, franchement, ils sont pas forts du tout parce que j'ai pas trouvé des navets. Et j'ai vu ça juste à côté de la semoule, donc je me suis pas embêtée, j'ai pris légumes pour couscous. On verra bien. J'avais plus de piment. J'ai pris épices pour couscous, voilà, j'ai pris un concombre, j'ai pris des tomates, donc il faut ajouter carottes et tout, mais bon, franchement, il y a tout dedans. On verra bien. Par contre, je ne vais pas vous filmer la recette, je vais d'abord goûter. Si c'est bon, je vous ferai une vidéo spéciale couscous avec le cookéo. Si c'est pas bon, ben, il faut que je recommence, quoi. Par contre, tout ça, je vais congeler, je vais prendre, il ne faut pas grand-chose. Il faut 4 ou 6 merguez, 4 ou 6 cuisses de poulet. Donc le reste, je vais congeler et je le ferai la prochaine fois. Voilà. Bon, allez, c'est parti pour le haul de chez Primark. Donc j'ai pris ce petit haut. J'ai pris taille L parce que c'est un pyjama. Donc ce sera pour cet été. Il était au prix de 3 euros. Ensuite, j'ai pris une brosse à cheveux pour 2 euros. Donc ensuite, j'ai vu qu'il y avait des t-shirts au prix de 2,50 €. Par contre, j'ai pris 12-13 ans pour que ça soit un peu plus ample et plus large. Voilà, elle pourra les mettre en dessous les caleçons. Donc pour 2,50 €, ça va, c'est pas très cher. Hein. Ensuite, je lui ai pris un caleçon. Hop. Donc celui-ci est à 3,50 €. Donc là, j'ai pris... 152 cm, ça sera un peu grand, certes, mais au moins, voilà, ça va durer un peu plus longtemps. Même à la rentrée, elle pourra les mettre. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris un autre petit haut. Donc, j'ai beaucoup aimé le détail de derrière. Donc, celui-ci aussi était pas cher, il était à 3 euros. Voilà. 3 euros, ça va. Hein. Ensuite, j'ai pris un autre t-shirt pour Clara. Ça aussi, il est à 2,50 €. Je me dis qu'elle pourra le porter avec son caleçon à fleurs. Ensuite, pour 5,50 €, j'ai trouvé ces petits pantalons. Donc, c'est des skinny. J'ai pris du 11-12 ans. Moi, il est à 5,50 €, il me semble. 5,50 €. Et je peux régler la ceinture parce que là, je sais que ça va être très très grand pour elle. Mais au moins, je suis tranquille pour la taille en fait. J'aurais pu prendre du 9-10 ans, non, du 10-11 ans. Mais je sais que ils grandissent trop vite les enfants. Donc au moins, elle pourra les porter aussi à la rentrée. Voilà, et les autres, ça sera pour Maëlys du coup. Un autre skinny. Donc 11-12 ans toujours, 5,50 €. Donc j'ai pris, donc c'est pas la même couleur. Voilà. Et le troisième, donc il est plus clair. Donc là j'ai pris un 10-11 ans. C'est juste pour voir si il y a une grande différence avec le 11-12 ans. Donc au pire ça sera pour Maëlys. Si je vois qu'il est just. Mais bon, je pense pas qu'il sera just. Ça, Maëlys aussi pourra mettre ce genre de pantalon pour après. Ensuite, j'ai pris les sockets pour 4,50 €. Je prends toujours cette marque et vous en avez 5. Voilà, bon, ça dure pas très très longtemps. Il faut pas les mettre dans le sèche-linge. Faites attention, sinon ça rétrécit. Mais bon,
Ça fait propre, quoi. Quand tu vas chez les gens, t'as les chaussettes toutes blanches. Nickel, quoi. Ensuite, j'ai pris un pyjama pour moi. Avec... En fait, j'avais pas d'ensemble. À chaque fois, j'étais toujours avec un haut différent et un bas différent. Là, je me suis dit, allez, on va prendre un pyjama. Il était à 10 balles, donc ça va. Par contre, c'est un legging en dessous. Et j'ai pris taille L. J'ai vraiment pris une très très grande taille pour être vraiment à l'aise. Même si je nage dedans, je m'en fous. Mais il faut que je sois vraiment à l'aise dans les pyjamas. Sinon, j'arrive pas à dormir la nuit. Comme si je suis serrée. Donc pour 10 euros, ça va quoi. On verra bien la qualité au lavage après avoir lavé et séché. Et j'en ai pris un deuxième. Donc là, c'est avec Minuit. Avec son pantalon. Donc là, mon mari va dire, ça y est, elle est redevenue gamine. Donc là, je l'ai payé combien? 13 euros. Franchement, pour 13 euros, ça va. Hein, un joli pidge comme ça. J'ai pris taille L aussi, me semble. T'as le bas qui est comme ça. Voilà, moi j'ai deux pyjamas tout propres. Mais j'aime trop ça. C'est trop mignon. Moi, j'avoue, ça fait bébé, quoi, mini. Mais bon, c'est la mode, hein, on s'en fiche. Il n'y a pas d'âge, hein, n'est-ce pas? Donc là, j'ai pris un autre t-shirt. Clara, toujours aussi large. Là, tu as des petites licornes. Toujours au prix de 2,50 €. Voilà. Donc voilà les filles pour le petit haut, le Primark. J'irai faire les soldes cet été pour acheter des vêtements pour la rentrée des classes. Donc comme d'habitude, je vous filmerai tout ça. Mais là, c'est vraiment pour dépanner. Parce que ils ont beaucoup de vêtements, mes enfants. J'ai déjà fait le tri, donc ça sert à rien d'acheter pour acheter et que les vêtements restent dans le placard. Donc je pense ouais, renouveler que pour la rentrée des classes et tout ça, on verra la prochaine fois. Donc je vous présente mon Cookeo. Je l'ai reçu avec un couvercle. Voilà. Il est assez grand. Par contre, je sais pas, c'est parce qu'il y a plusieurs modèles en fait. Je sais pas c'est lequel. Donc là, le 10 open. Voilà. Je l'ai jamais testé. Hein. On va le tester ensemble. À l'intérieur, tu as la prise. Ensuite, tu as ça, c'est pour faire cuire tes légumes en vapeur. Et ça, le couvercle, voilà. C'est pour le refermer. Si tu as fait à manger, tu mets au frigo après. Tu soulèves, voilà, et tu mets au frigo. C'est assez pratique. Voilà. Ça, je pense, non, faut pas l'enlever ça. Je sais pas c'est quoi ça. Je dois l'enlever ou pas? Non, je pense pas. Donc tout à l'heure quand je suis partie chez Cora, ils vendaient des livres. Par contre, 20 euros et tout. C'est un peu cher, je vais regarder sur Amazon. Mais bon, vous avez plein de recettes sur YouTube. Donc moi, je vais prendre une recette sur YouTube. Tout ça, je vais laver là. Voilà, c'est une casserole en fait. Hein. Voilà. Depuis le temps que je le voulais, j'ai vraiment attendu qu'il soit en promo. Parce que payer 265, voilà. Sinon, tout à l'heure, à Cora, il était à 299 et c'était connecté en fait. Mais bon. On verra bien. Je vais laver ça et je vais l'allumer. Je vais voir ça. Donc là, je viens de l'allumer. On va enlever les petits autres là. Voilà. Alors, la langue. Hop, français. Je suis OK. France. Cool. Ouais. Ensuite, ingrédients, recettes. Les entrées, pas les plats. Je vais voir si je peux trouver le couscous. Bœuf bourguignon, calamar à la tomate, filet pain de carnet, colin aux petites crevettes. Il n'y a pas couscous. Les crevettes colin. Là, j'ai eu un petit bouquin.
explique. Pas mal le nettoyage, l'entretien. Ah oui, je voulais savoir, je l'enlève ou pas le truc là? Démontage du couvercle métallique. Ah oui, tu peux même le démonter. Il y a un truc en plastique dessus, je sais pas si je l'enlève. J'ai un doute. Donc après j'ai les entrées. Brocoli aux amandes, carottes glacées, caviar d'aubergine, citrouille, hummus. Ouais, pas grand chose. Donc là j'ai la recette. Donc c'est pour 4 personnes. Voilà, si je veux 6 personnes, il faut 6 cuisses de poulet quoi. D'accord. Donc le truc en plastique, je l'ai emblé hein, parce que je pense pas que. Non, il faut l'emblée. Ça, ça se démonte normalement. Normalement. Hein. Donc là, j'ai mis l'huile et l'oignon. On doit ajouter le poulet et les merguez et laisser dorer 5 minutes. Donc là j'ai ajouté le poulet et les merguez. Normalement c'était 4 merguez mais j'en ai ajouté combien? 1, 2, 3, 4, 7. J'ai lavé mon poulet par contre. Donc là ils me disent de laisser dorer 5 minutes. Je sais pas si je dois fermer le couvercle ou pas. De toute façon c'est doré. Donc là ça fait 15 minutes, franchement je suis choquée. Regardez c'est cuit. Donc j'ai pas mis les légumes parce qu'ils sont déjà cuits. Donc là je vais venir ajouter les légumes. Et je vais laisser cuire, elle est quoi, 5 minutes en cuisson rapide. Mais oh, je suis choquée, regardez, c'est cuit. C'est trop bien ça, ça sent très très bon. Donc là j'ai les légumes déjà pré-cuits. Hein. Donc là on les ajoute. Voilà. Et je vais les faire cuire 2-3 minutes. Et encore. Je sais pas si je fais doré. En fait, c'est une cocotte minute le truc. C'est une cocotte minute. Je sais pas si je rajoute des légumes ou pas. C'est trop trop bien. Oh, franchement, je valide. Bon, après le goût, je sais pas, mais ça sent très très bon. Ça sent très très bon. Ça va, ça fait pas trop de bruit. Hein. Plein de cuisson. J'ai mis 5 minutes. Ça sent très très bon. Donc là, je viens de préparer ma semoule. Donc avec une fourchette, vous venez écraser les petites boulettes. Là. Voilà, voilà. Par contre, pour les grammes, je crois bien que je me suis gourée parce que là, il y en a une tonne. Il y en a une tonne. C'est bon. Allez, bon appétit les enfants. Clara, dis-moi si c'est bon. Déjà. La semoule, faut mélanger avec la sauce. Non, tu veux de la sauce? Bah, il n'y en a pas aussi. Attends, je vais t'en emmener. Oui, s'il te plaît. Bon appétit. Coupe ta viande pour voir si c'est tendre. Non, non, là, le poulet. Ouais, il est purée. T'as vu comment c'est cuit? C'était très bon. Avec le kéo. T'aimes bien? Oui. Moi, je vous emmène la sauce.